mais y'a pas Al Jani. Tiens, 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 mais où est Al Jani? Je vous souhaite une soirée pleine de bonheur et de fierté pour honorer ce joyau si précieux. Allez, perdons pas de temps. Le César du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Philippe Catherine dans Le Grand Bain. Bon, c'est n'importe quoi. Bon, ok. Que dire? Eh bien, j'envoie ce César à Gilles Lelouch. Il est où, Gilles? Il est là. Ah, tiens, Gilles. Si un jour tu décides de faire le petit bain, je suis ton gars. César de la meilleure actrice en second rôle est attribué à Karine Viard. Dans Les Chatouilles. Franchement, je suis super contente. Ça me fait vraiment plaisir parce que je tenais beaucoup à ce rôle. J'avais vraiment envie de faire partie de cette histoire. Et ce rôle épouvantable de mère si toxique et qui condamne sa fille une deuxième fois en ne l'écoutant pas, en ne voulant pas la croire. Je trouvais ça terrible et j'avais envie de le jouer pour pouvoir le dénoncer à ma façon. Waouh. Je suis très émue. Est-ce qu'on pourrait apporter un verre d'eau à Laurent, s'il vous plaît? Merci. Ce César des publics est donc attribué au Tuche 3. J'invite son réalisateur, Olivier Barou. Je veux juste remercier évidemment le public de nous avoir fait ce beau cadeau, d'avoir été voir les Tuches comme ça, pas loin de 6 millions d'entrées, c'est dingue, 5 millions pour le 2. Je vous le dis tout de suite, on va faire le 4 pour que comme ça calme tout le monde, on commence à tourner en janvier. Moi je voudrais surtout faire un petit coucou à Cad et Olivier. Ah oui. Hein, la chaîne Comédie, c'est là où on s'est connus, dans le 17e arrondissement. C'est vrai. Vous avez beaucoup progressé depuis. Hein. Bah. Hein. Le César du meilleur acteur est attribué à Alex Lutz d'Anguille. Alors, 2 minutes 30. Non, je suis très impressionné et je n'avais, par superstition, vraiment rien préparé. Puis j'aimerais saluer tous mes camarades en face parce que j'étais très fier d'être dans cette sélection. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai même eu la même coupe que Romain Duris. Alors bon, finalement, voilà, on est une équipe. Et puis mon amour, bon anniversaire. Bravo Alex. Bonsoir Laurent. Bonsoir Gad. Gad. Un homme en slip. C'est fragile. C'est une légende absolue du cinéma, l'un des plus grands acteurs de l'histoire. Un réalisateur fantastique, un producteur visionnaire et un putain de beau gosse, il faut quand même dire les choses. And again, thank you. Le César de la meilleure réalisation est attribué à Jacques Audiard. Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis ému. Pierre, ça te fait rire à chaque fois que je suis sur scène. Salvadori rit. Je suis un peu gêné, vous avez fait des films tellement extraordinaires. Je vous remercie infiniment, je suis trop intimidé. Merci beaucoup. Bravo. Cher maître. Oui, je t'en prie. Je reste pour le César du meilleur son, si ça ne vous dérange pas, parce que comme celle qui devait remettre meilleur montage est morte à midi, j'ai dit n'appelez personne pour meilleur son, il va y passer aussi, donc je le fais. Et le César de la meilleure actrice est attribué à une amie, Léa Drucker. Merci à l'Académie des Césars, merci à tout le monde. Je voudrais juste saluer toutes les femmes, toutes les féministes, celles qui écrivent, agissent, prennent la parole et défendent au quotidien la cause des femmes qui bravent parfois des tempêtes d'insultes et d'agressivité en tout genre. Et je voudrais les remercier parce qu'elles m'ont permise, en m'éveillant, d'être la femme que je suis aujourd'hui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bravo.
applaudir. Le César du meilleur film est attribué à Jusqu'à la garde, produit par Alexandre Gavras, réalisé par Xavier Legrand. Waouh, merci. Merci pour ce cadeau magnifique. Je tiens à remercier, bien sûr, toute mon équipe, mes acteurs, Léa, Denis, Thomas, mon petit prince, Mathilde Neveu. Alexandre, tu m'as laissé un message aujourd'hui où tu m'as dit que j'avais changé ta vie, mais tu peux pas savoir à quel point t'as changé la mienne. Et merci, tout simplement, je sais pas quoi vous dire, merci. En espérant que vous avez passé une bonne soirée. Musique. Merci de votre fougue, merci de votre confiance et de votre audace. Garé. C'est plusieurs années de travail. Vous êtes tous exceptionnels. Valérie Benguigui, je ne t'oublie pas. Merci. Faites des bons films et puis je continuerai de temps en temps à en faire. Et merci infiniment, merci beaucoup. Dans un monde sans poésie, les rossignols se mettraient à rôter. On a tous quelque chose de terrible. Waouh, merci.